D'abord, il y a cette présence. Une densité qui envahit l'écran dès qu'il apparaît à l'image. Lino Ventura, c'est avant tout cela. La fermeté, l'assurance, la vigueur, c'est la virilité à l'ancienne. Une certaine façon d'être un homme. Lino Ventura est un acteur immensément populaire qui a rempli les salles de cinéma des années 50 aux années 80 et qui accompagnait nos dimanches soirs devant la télé. Difficile de distinguer l'homme des personnages qu'il incarne. On ne sait pas toujours si Lino joue ou s'il est, tout simplement. Cette frontière entre jeu et non-jeu est d'autant plus mince que très tôt, Lino choisit des personnages qui lui ressemblent. Les rôles ont évolué en même temps que le comédien va mûrir. Mais toujours, ce seront des hommes directs, carrés, massifs. Vous êtes des petits malins, tous les deux. Calculez les chances que j'ai de m'en sortir et vous m'en trouvez pas beaucoup. Ça commence par le chauffeur qu'on cherche en priant le bon Dieu de pas le trouver. Et ça se termine par un cousin de Bretagne. La puissance de Lino Ventura lui vient du catch. 1m75, 90 kg, 130 cm de tour de poitrine. C'est une force de la nature. Lino est un lutteur qui s'est arraché de son milieu modeste par la force. Petit immigré, arrivé d'Italie à l'âge de 6 ans, il apprend la vie dans la rue et va se forger une discipline dans la lutte. Au début des années 50, Lino a déjà une vie bien construite. Il est marié avec Odette depuis plus de 10 ans. Ils ont alors deux enfants et il a un métier. Après une mauvaise blessure, Lino le catcheur est devenu organisateur de matchs à Paris. Quant au cinéma, il y va de temps en temps, moins souvent que lorsqu'il était jeune homme. À l'époque où il pouvait enchaîner 6 films par jour et où il portait une cravate à pois pour ressembler à Jean Gabin dans Pépé le Moko. Le jeune homme pauvre et bagarreur a fini par se construire une vie rangée qui lui donne satisfaction. Jusqu'au jour où le cinéma va venir le chercher. En 1953, Lino Ventura a déjà 34 ans et Jacques Becker s'apprête à tourner « Touchez pas aux grisbilles ». C'est un film noir à l'américaine. Le projet doit relancer la carrière de Jean Gabin, en perte de vitesse. Et on recherche un Italien capable de jouer le gangster. Ventura entre dans le monde du cinéma grâce à son passeport italien. Le film est une coproduction franco-italienne. Un des rôles doit être absolument joué par un transalpin. Repéré par un producteur, Lino commence par refuser. Il y a erreur sur la personne, je ne suis pas comédien. Mais Jacques Becker, emballé par sa présence, veut à toute force ce robuste italien. Les producteurs sont prêts à payer le prix fort pour l'engager. Le ménage Ventura ne roule pas sur l'or, l'argent est toujours bon à prendre. Lino finit par accepter. Allô, c'est toi, Max ? Oui. Ici Angelo, tu m'entends bien ? Oui. Alors écoute-moi attentivement, t'as pas de temps à perdre et moi non plus. Tu veux que je te rende Riton vivant ? Je t'écoute. D'abord, je dois te dire que j'ai rien contre Riton ni contre toi. Ce que je veux, c'est votre Crisby. Et il me le faut d'ici une heure ou plus tard. Je vais te passer Riton pour que tu saches qu'il est bien là. Je me suis donc trouvé devant une caméra pour faire ce film et je n'en avais pas besoin à l'époque. Vous comprenez ? Je n'attendais pas après ça. Ma vie ne dépendait pas de ça. Alors, ça fait que j'ai fait ça décontracté. J'en avais pas besoin, alors ça marchait. Et je suis sûr que si à cette époque-là, j'en avais eu besoin, ça aurait pas marché. La seule chose que Lino attend vraiment de ce tournage, c'est sa rencontre avec celui qu'il admire tant. Le comédien de La Grande Illusion, de Quai des Brumes et de La Bête Humaine, Jean Gabin. Le premier jour où je suis arrivé au studio, je suis arrivé avec ma valise à la main. Et je ne sais pas pourquoi, je suis arrivé avec un espèce de réflexe d'autodéfense imbécile, en disant le premier qui kine, je lui mets mon poing dans la gueule, je retourne chez moi. Et je sais pas pourquoi, j'ai jamais lâché ma valise et j'ai demandé à voir Gabin. Alors on me disait, il est dans sa loge, vous le verrez tout à l'heure. Je dis non, moi c'est tout de suite que je veux le voir. Et au bout de la dixième personne, il y a un petit assistant qui est à l'époque, était Jean Becker, qui m'amène
dans la loge de Gabin. Et ce qui est étonnant, et je crois que c'est uniquement à cause de ça qu'aujourd'hui je fais du cinéma, il ne m'a pas demandé pourquoi je voulais le voir. Il m'a regardé. Il était avec ses bretelles qui pendaient encore, là. Et il me dit, ça va? Je dis, oui, ça va bien. Il me dit, alors, à tout à l'heure? Eh ben, je dis, c'est ça, à tout à l'heure. On peut dire que ces deux-là se sont reconnus dès qu'ils se sont connus. Ils ont été coulés dans le même moule. Deux types qui ne s'en laissent pas compter. J'espère que ces messieurs n'ont pas d'armes dans leur poche. Non, on n'en a pas. Ventura s'inscrit dans la lignée de son aîné de 15 ans. Chez les deux comédiens, une même assurance, un jeu paternaliste, une autorité naturelle aussi. Ils seront unis toute leur vie par une profonde amitié. Non, c'est gentil, ta petite purée. C'est mieux qu'avant, hein? Ouais. Ouais, il va trop pas mal. Mais tu sais, il y a encore un peu de boulot dedans. Souvent, Gabin va glisser le nom de son poulain à l'oreille des producteurs. Lino se met à enchaîner les apparitions, puis les seconds rôles. Son physique de lutteur le cantonne à des rôles de malabar. De Touchez pas au Grisby à Razia sur la Schnouf, de Trois jours à vivre à Ces dames préfèrent le mambo, le cinéma français a trouvé son mastodonte. Le fauve est lâché. Tel est le titre du film de Jean Redon, Claude Sauté et Frédéric Dard. Le fauve, le voici. Lino Ventura, y a-t-il un rapport entre le personnage que vous interprétez à l'écran et l'homme que vous êtes dans la vie? Oh non, pas du tout, non. J'ai des loisirs qui n'ont rien à voir avec ce que vous pourriez penser, c'est-à-dire, je sais pas moi, j'aime lire, j'aime écouter de la musique, j'aime la nature, enfin, un tas de choses, quoi. Quelles sont vos lectures favorites? Bon, il y a Roger Martin Dugard, que j'aime beaucoup, il y a Romain Rolland, il y a Curtis, puis beaucoup d'autres, enfin, que je peux pas vous citer maintenant, ici, quoi. Nous allons de surprise en surprise, une dernière question. Lino a appris à supporter la condescendance de certains journalistes. Un procès en légitimité qui vient de ses débuts, de son entrée dans le cinéma par une porte latérale. 4 ans après la sortie du Grisby, en 1958, Lino Ventura décroche son premier rôle, Le gorille vous salue bien. Et on continue de parler de lui comme d'une grande chose trapue, à peine sortie des vestiaires. Eh bien, Lino Ventura, en 4 ans, a tourné 7 films, comme ça. Et dans ces films, ou bien il viole la loi, ou bien il la défend. C'est-à-dire qu'il est soit inspecteur, soit gangster. Et très bien, Lino Ventura. Il faut en parler un petit peu. Il est très bien. On en parle d'ailleurs beaucoup. Il vous plaît aussi, hein? Oui. Le gorille est un agent secret embringué dans des aventures rocambolesques. Mais cette fois-ci, l'armoire à glace doit avoir une lueur d'intelligence dans le regard. C'est Jean Gabin qui, encore, va souffler le nom de Lino Ventura au réalisateur Bernard Bordery. C'est un formidable succès public. Et la presse, toujours délicate, salue chez Lino Ventura beaucoup de finesse dans un corps épais. Avec le succès naissant, Ventura va s'affranchir des règles qu'impose la promotion d'un film. L'ancien lutteur commence à assumer son parcours. Lino s'autorise à être ce qu'il est, un taiseux. Tout au long de sa carrière, il refusera de jouer le jeu de la séduction avec les journalistes. Face à eux, il se montre souvent bourru, parfois carrément renfrogné. Personnage public, ça veut dire quoi alors? Ça veut dire qu'il faut aller se montrer, se pavaner? Non, moi, je crois que c'est une question de caractère, c'est pas une question délibérée comme vous dites. Je ne m'y sens pas bien. Alors pourquoi voulez-vous que j'aille, moi, dans un truc où je me sens pas, au nom de quelle sacro-sainte loi? Moi, je ne suis pas Marilyn Monroe, je ne peux pas vous faire une photo tout nu dans un bain de mousse, hein. Je vois pas qu'est-ce que je peux faire. Alors on m'a dit, oui, mais tu te dois à ton public, pas te... Moi, je me dois à personne. Lino ne se sent redevable de rien parce qu'il a appris à s'en sortir tout seul, dans un monde où on a d'autres choses à faire que de parler de soi. Moi, j'ai commencé à travailler, j'étais très jeune, j'avais 9 ans, vous voyez. Et j'ai vendu des journaux, j'ai été groom, j'ai été mécanicien, j'ai été livreur, j'ai été représentant, j'ai fait 1000 choses. Sans aucun succès d'ailleurs, parce que à chaque fois que j'abordais quelque chose, je foutais une pagaille épouvantable. Et j'étais un petit peu comme une
petite bête sauvage. Je veux dire que c'était très difficile de me discipliner, de me mettre la main dessus. Mais alors, vous êtes installé tout de suite dans la peau d'un acteur de cinéma ou vous n'y avez pas cru complètement? Si j'y ai cru, non. Non, parce que je dois vous dire que même aujourd'hui, c'est pas que je n'y crois pas, c'est pas tout à fait ça. Ça peut paraître pas très sincère ce que je dis, mais pourtant c'est la vérité, je veux dire que je me regarde. Difficile de ne pas se regarder quand on vient de tellement loin. Comment oublier la petite enfance en Italie? Comment oublier la pauvreté, la faim et le labeur de sa mère, Louisa, vendeuse dans une boutique à Montreuil. Une enfance surtout marquée par l'absence. Lino avait à peine 6 ans quand son père les a abandonnés, sa mère et lui, dès leur arrivée en France. Cet homme absent n'est quasiment jamais évoqué par Lino Ventura. C'est une zone d'ombre dans le récit de sa vie. Et quand beaucoup plus tard il accepte de parler de son père, il dit si peu. Mon père était parti pour des raisons semi-politiques, semi-financières de l'Italie. Nous l'avons rejoint ici et puis quelques temps après il a disparu. Et donc voilà pourquoi je me suis retrouvé tout seul avec ma mère. Lino Ventura devient très tôt l'homme de la famille. Et tout au long de son existence, il continuera de protéger sa mère, Louisa. Quand à son tour il fonde une famille, Lino est, pour ses 4 enfants, un père, absolument, totalement présent. C'est un homme qui reste, auprès de ses enfants, auprès de sa femme, malgré les aventures. Qu'est-ce que ça veut dire, être un homme ? C'est d'abord assumer un certain nombre de responsabilités, d'abord, je trouve, non ? Font partie complètement de la vie d'un homme. Mais je pense aussi certainement qu'il doit y avoir une grande part de dignité, je crois, pour être un homme. Progressivement, Lino Ventura va défendre certaines valeurs, la droiture, le respect, l'honnêteté. Au fil du temps, il ne choisira qu'un certain type de personnage pour incarner des hommes de principe, intègres, droits dans leurs bottes. Des hommes qui veulent se faire respecter dans un monde en désordre. Mais avant de pouvoir incarner de tels personnages, Lino a dû changer la direction que prenait sa carrière naissante pour se débarrasser du stéréotype de la brute épaisse qui lui collait aux semelles. Premier acte fort et courageux, malgré le succès du Gorille, il refuse de jouer la suite. Je ne veux plus en faire. Je ne veux pas sauter tout de suite dans un salon Louis XV avec des bonbonnières et une perruque. Non, c'est pas ça. Comment voyez-vous votre avenir, puisque de toute façon, vous excluez non seulement le marquis de Priola, mais enfin des rôles en costume, des rôles très différents. Et pour être fidèle justement à cette nature qui est la vôtre, qui vous plaît dans vos vies. Il y a mille choses à faire, quoi. Comprenez, je sais pas moi, des meneurs d'hommes, des ouvriers, des... un ingénieur, j'en sais rien, moi, les gars dans la vie, quoi. Il y a mille choses en dehors du Gorille et du marquis de Priola, comme vous dites vous-même. En 1959, Lino Ventura vient d'avoir 40 ans. La vie lui a appris depuis longtemps à être pragmatique. Il connaît sa valeur autant que la valeur de l'argent. Le comédien négocie seul ses salaires et se met à initier des projets pour mieux choisir ses rôles. Ventura découvre une série noire de José Giovanni et la fait lire au jeune Claude Sautet qu'il a connu assistant réalisateur. Lino a de l'estime pour lui. Il l'encourage à passer à la réalisation. Grâce à Lino Ventura, Claude Sautet va réaliser son premier film. Dans Classe tout risque, Lino est un condamné à mort en cavale qui tente de mettre ses enfants à l'abri après la mort de sa femme. Ces gangsters sont des gens qui font leur métier de gangster avec une extrême violence, mais qui sont aux prises avec des problèmes familiers. Ils ont des femmes, des enfants, ils sont très sentimentaux. Et le contraste entre leurs sentiments et leur violence les sert dans un étau qui fait tout l'intérêt du roman, et c'est pourquoi j'ai fait le film. Claude Sautet hésite à engager le jeune Jean-Paul Belmondo. À bout de souffle n'est pas encore sorti, et les producteurs ne croient pas en lui.
Prends-le, il est formidable, dira Ventura à Claude Sautet, comme Jean Gabin l'avait fait pour lui 7 ans auparavant. J'habite passage d'Oisy. Il y a 2 entrées. Personne connaît mon adresse. Et au 6e, il y a une petite chambre de bonne. Tu seras tranquille. Ventura intervient sur le scénario, affine son personnage et le dur s'humanise. Il veut aller vers des rôles qui suscitent l'empathie du public, des rôles auxquels il pourra lui-même s'identifier. Lino dira plus tard qu'il veut des personnages à qui il pourrait serrer la main. Pierrot, écoute-moi bien parce que ce que je vais te dire, c'est très important. Voilà. Dans la rue, on pourra plus marcher ensemble, comme avant. Il faudra que tu marches derrière, que tu tiennes Daniel par la main et que vous ne vous quittiez jamais. Tu marcheras à 10 mètres, comme d'ici à la colonne. Tu vois? Mais si je t'appelle pas, faudra pas venir. Et puis si un jour, tu vois des hommes qui m'entourent, il faudra pas t'approcher, ni crier, rien. Il faudra que tu partes d'un autre côté, avec ton frère. J'ai des projets qui ne sont pas du tout des films de gangsters. Ça n'a pas été sans mal, remarqué. Mais c'est une chose qui s'est fait... Comment dire, est-ce qu'il s'est fait toute seule un peu? Vous comprenez, je n'ai pas... Évidemment, moi aussi, j'ai insisté pour prendre cette déviation, mais je suis rassuré en ce qui concerne l'avenir. Je crois que ça va se faire. Et effectivement, ça se fera. Parce qu'il veut que ses rôles lui ressemblent, Lino dessine un personnage qu'on commence à retrouver de film en film. Le type bourru, mais avec un bon fond. Celui qui sait où est le bien et où est le mal, et qui n'hésite pas à se castagner pour défendre son point de vue. Puisqu'il est taillé pour ça. Ventura incarne désormais le gars à qui il ne faut pas raconter de salade. La séduction brute. Dans 100 000 dollars au soleil, d'Henri Verneuil, il est un chauffeur de camion qui prend en chasse son meilleur ami parti avec un précieux butin. L'occasion pour Lino de retrouver Jean-Paul Belmondo, devenu une star et qu'il apprécie beaucoup. Où que tu sois, au Venezuela ou en Seine-et-Oise, je te chercherai. Même si je dois passer des années à ça, et même si je dois y claquer jusqu'à mon dernier rang, je te chercherai. Et je ne ferai que ça, jusqu'à quand je te trouve. Et après? Il nous fallait un personnage, celui de Marek, et qui est... dans le style des westerns américains, vous voyez, le personnage mâle, fort. Lino Ventura, comment caractériseriez-vous votre emploi? Je sais pas, je peux pas vous le matérialiser par un nom, mais ça va du dur au bonasson, enfin vous voyez un peu ce que je veux dire, du bagarreur au sentimental, enfin je ne sais pas très bien l'analyser, enfin, je ne sais pas quel nom ça porte. Le molasson, le bonasson et le sentimental et le dur. C'est ça, oui. Ça correspond à votre tempérament? C'est pas moi qui peux vous le dire. Ah, c'est tout de même vous qui êtes le mieux placé pour me dire ce que vous êtes. Je crois pas, non. Difficile de dire si c'est Lino Ventura qui refuse de répondre ou le personnage d'un taxi pour Tobruk, celui de 100 000 dollars au soleil. Le comédien et ses rôles commencent à se confondre. Les Français, eux, se retrouvent en cet homme franc et revêche. Et ils en redemandent. Ce sont plus de 3 millions de spectateurs qui iront voir 100 000 dollars au soleil. Au début des années 60, Lino Ventura multiplie les succès. Il est devenu une star. Parce qu'il a envie de rester dans ce qu'il connaît, et parce que ses films ont du succès aussi, Lino entre dans une période de parodie de ses propres rôles. Il joue les mêmes personnages que d'habitude, pris malgré eux, dans des situations invraisemblables. Alors qu'est-ce qu'on fait? On continue dans la grâce? On va aviser.
faire? Tu veux pas que je prenne le volant? Non, non. Quand je conduis pas, j'ai peur. Pas de mise en danger pour Lino, qui joue au premier degré. Et tout le comique vient de là. On retrouve le Ventura des films de Truand, immuable, qui fait mine de ne pas savoir qu'il a déboulé dans une comédie. Sur la plus haute marche du podium de cette série de films, le célébrissime Tonton Flingueur. Lino est un ancien truand, contraint malgré lui de reprendre du service en même temps qu'il doit prendre soin de la jeune et turbulente Patricia. Les Tontons Flingueurs est devenu un film culte dont les dialogues de Michel Audiard sont repris de génération en génération. Patricia, mon petit, je voudrais pas te paraître vieux jeune et encore moins grossier. L'homme de la pampa, parfois rude, reste toujours courtois, mais la vérité m'oblige à te le dire, ton Antoine commence à me les briser, melu. Pour beaucoup, un hilarant pastiche des films noirs qui fleurent bon la France des Trente Glorieuses. Faut reconnaître. C'est du brutal. Vous avez raison. Il est curieux, hein? J'ai connu une polonaise qu'on prenait au petit déjeuner. C'est Jean-Pierre Melville qui va arracher Lino Ventura au confort de ses rôles de dur au cœur tendre. Le cinéaste intègre Lino dans son monde, fait de polars secs et de drames psychologiques. Ils tourneront deux films ensemble, Le Deuxième Souffle et L'Armée des Ombres. Melville va réussir à obtenir de Lino Ventura une interprétation tout en intensité retenue, notamment pour L'Armée des Ombres. Ventura y est un résistant confronté à de multiples choix moraux et à la mort, sans cesse. Il parvient à être en même temps implacable et doux, d'une humanité poignante, dans ce film extrêmement réaliste. Je vais me lever pour demander quelque chose à la sentinelle. Vous vous passerez les deux portes en courant. Celle-ci et celle de la rue. Bonne chance. L'Armée des Ombres est le premier rôle presque exclusivement psychologique de Lino Ventura. Pour atteindre la vérité de son personnage, Lino, qui n'est pas très enclin à l'introspection, s'est totalement renfermé sur lui-même. Monsieur Combes, tu me mettras une petite lumière dans la main. L'exigence de Jean-Pierre Melville avait déjà éprouvé Lino sur le tournage du Deuxième Souffle, lorsqu'il avait dû créer une véritable composition. C'est un film très difficile à faire, enfin, tout au moins pour nous, acteurs, comme pour lui, metteur en scène. Je crois que pour ma part, c'est un de... Ce sera plutôt un des plus difficiles que j'aurais jamais fait. On peut vous demander pourquoi? Tout d'abord parce que c'est un personnage un peu en dehors de la norme, si vous voulez. C'est un peu une composition et moi, je ne suis pas un acteur tellement habitué à des compositions. Ventura part d'un principe qui est faux. Il dit qu'il connaît ses limites. C'est faux. Il ne les connaît pas du tout. Il s'imagine ne pas être un acteur. Il croit qu'il dit juste, comme ça, par l'opération du Saint-Esprit, et qu'il ne faut pas lui demander des choses trop particulières. Je suis absolument persuadé qu'on peut lui demander tout. C'est-à-dire que moi, je ne me considère pas comme un acteur. Ce n'est pas du tout un numéro de fausse modestie, pour que vous me répondiez, mais si, vous êtes un acteur, non. Un acteur, pour moi, c'est autre chose. Un acteur, pour moi, c'est un monsieur qui a reçu une formation, qui a travaillé, qui est capable demain d'être du Guesclin, puis... De Duguay-Clin, il passe à Armand, à genoux avec un bouquet de violettes. Ça, c'est un acteur. Moi, je sais que je suis incapable de le faire. C'est pas élaboré, distillé, digéré, filtré, non. Je me pose pas beaucoup de questions dans ça. Je me dis d'abord, est-ce que tu peux faire ça ou est-ce que tu peux pas faire ça? Voilà, c'est tout. Si je peux le faire, je dois le faire. Voilà. Si je peux pas le faire, je le fais pas. Affirmer ne pas être comédien, ne pouvoir jouer que son propre rôle.
Une posture qui permet à Lino de déjouer les critiques et sans doute de s'en protéger. Le jeu de Ventura se veut toujours lisible, naturel. Loin des intellectuels qui se regardent le nombril. Ventura s'inscrit donc dans un certain type de cinéma. Un cinéma populaire, violemment rejeté par la nouvelle vague de Jean-Luc Godard et de François Truffaut. Je sais que je n'aime pas Lino Ventura et que je n'aime pas les gangsters français et pas beaucoup les gangsters américains non plus. Donc c'est une chose à laquelle je ne toucherai plus. À cause de quoi ? À cause des conventions qui sont... Les conventions, de retrouver un monde, c'est ça, de retrouver un univers dans lequel toutes les conventions bourgeoises se retrouvent dans un autre sens. Le côté de tous les films de Lino Ventura, des gangsters, bon père de famille, protège mon gosse, envoie des mandats à ma femme, tout ce côté qui me dégoûte vraiment. Et aussi que finalement, je n'aime pas les gangsters, je ne peux pas expliquer pourquoi, ce sont des gens qui me déplaisent. Au début des années 60, la société française évolue. Et deux cinémas s'affrontent. Face au classicisme du cinéma de papa, la nouvelle vague veut montrer la réalité d'une jeunesse en mouvement. Les relations entre les hommes et les femmes commencent à se réinventer et s'éloignent du schéma patriarcal. Les hommes deviennent des anti-héros, les femmes ne sont plus uniquement des faire-valoir. C'est le cinéma d'auteur contre le cinéma commercial. Les uns n'ont que mépris pour les autres, qui le leur rendent bien. Ce que je reproche surtout au jeune cinéma, moi, c'est de manquer précisément de héros. 9 fois sur 10, c'est la femme maintenant qui mène le jeu dans les films actuels. Je trouve que c'est un cinéma un peu d'impuissant, un cinéma de cocu, moi, le jeune cinéma. Oh, ça va comme ça, hein, parce que maintenant, ton flingue ou pas ton flingue, tu vas prendre mon poing dans la gueule, toi. Vous tournez avec Henri Verneuil, qui fait partie des metteurs en scène que l'on considère, je le dis, moi, sans nuance péjorative, comme commerciaux. Et on a vraiment l'impression qu'actuellement, il y a en France deux grandes méthodes de tournage. La sienne et celle d'un Lelouch, par exemple, sans parler de Godard. Pourquoi Lelouch, c'est pas commercial ? Ah, c'est une question que je peux vous poser aussi. Ben, je ne sais pas ce que vous entendez par commercial. Il faudra d'abord la définir une bonne fois pour toutes. Pourquoi est-ce que vous vous sentez obligé de dire, je le dis sans aucun sens péjoratif ? C'est fait pour quoi, le cinéma ? Pour que ça marche. Pour être vendu, oui. Ah, alors c'est commercial. Oui, mais c'est un point de vue. Ceux qui prétendent ne pas faire du commercial, voilà. Qu'est-ce qu'ils veulent faire exactement ? Qu'ils me le disent. De l'art. Ah, de l'art. Alors là, moi, je m'excuse, mais j'en suis pas là. Profondément, Lino refuse ce qu'il considère être une approche élitiste du cinéma. Sa formidable ascension sociale n'efface pas ses origines modestes. Il reste convaincu que pour être accessible à tous, le cinéma doit rester un divertissement. L'autodidacte devenu star de cinéma va donc logiquement s'entourer d'artistes populaires. Mais ce seront les artistes les plus extraordinaires des années 60. Ventura noue avec eux des amitiés solides et passionnées. À leur côté, un autre Lino se révèle, tendre et facétieux. Il passe des heures à boire et à fumer, à refaire le monde avec Jacques Brel, Georges Brassens, le sculpteur César. Une bande de potes entre eux. Une affaire d'hommes. Toujours. Quels sont pour vous les mots forts ? On comprend tout de suite qu'il y a le mot amitié. Que vous avez réuni, c'est tous ceux qui sont autour de vous. Oui, je pense que l'amitié est quelque chose de très important, enfin tout au moins. Amitié même masculine. Oui. Pourquoi rajoutez-vous ça ? Et je suis obligé de constater, c'est vrai, il n'y a pas de femme parmi les amis que vous avez choisis. Un peu macho. Tu ne vas pas le taxer des misogynies. Non, pas de femme, je ne sais pas. Je veux dire, ça s'est fait comme ça. Les copains que j'ai, bon, bah, je reconnais qu'il y a des femmes extraordinaires, mais il se trouve que je ne connais pas. Ils préfèrent manger des pâtes et des machins comme ça avec les hommes. Ah, César, c'est terrible ce que dit César. Il dit que la véritable amitié est masculine. Alors là, il a un peu raison tout de même. Je crois que... Ça, là, vous vous engagez sur des chemins minés, là. Hein. Vous vous engagez sur des chemins minés. Vous n'avez invité d'autres personnes. Non, c'est César, hein, c'est pas moi. Ouais, hein. Après, vous n'allez pas me taxer de... Ouais. J'aime beaucoup Lino pour sa tendresse, pour sa pudeur et pour sa tendresse. Et le restant, je ne sais pas comment il est. Les hommes ne se parlent pas entre eux. Ce sont les femmes qui caquettent entre elles en général pour se dire, c'est ça. Mais les hommes, ils ne se parlent pas beaucoup. Lino est toujours resté un ami, c'est-à-dire que...
On s'appelle tout le temps. Quand je fais un film, il veut savoir quel scénario. Il me demande tout le temps. Dès que le film est fini, il vient voir le film projeté. C'est-à-dire qu'il est... Je sais pas, c'est un comportement d'ami. Je crois que ce qui fait le Chamelino, c'est quelque chose de grave qu'il a au fond de lui. C'est une personnalité physique extrêmement puissante qui cache quelque chose de grave et de doux en même temps. La gravité de Lino, sa fêlure, apparaît aux yeux de tous en 1965, lorsqu'il révèle face caméra qu'une de ses filles est handicapée. De ce jour, Lino va s'engager dans un combat sans fin pour défendre l'enfance inadaptée en créant la fondation Personnage. Effectivement, pour moi, c'est un problème qui m'habite entièrement. Et vous savez, quand vous déclenchez ce genre de drame, vous vous rendez compte que par réaction, ça vous amène à vous en occuper complètement. Effectivement, ça me tient très à cœur parce que c'est un problème immense. Et pour le résoudre, malheureusement, il faut beaucoup de bonne volonté et beaucoup de travail. Et les amis de Ventura seront souvent à ses côtés dans ce combat. Notamment Jean Gabin, qui détestait voyager et qui ira pourtant jusqu'à Marseille lancer une projection du clan des Siciliens au profit de Personnages. Pour Lino. Tu sais que je t'ai jamais vu en forme comme ça, je te le dis. Et à quelle heure croyez-vous qu'on va aller dîner, nous, avec tout ce truc-là? Ça serait tardé. Ah bon? Ils m'ont parlé d'ailleurs avancé. Ils m'ont parlé d'un tas de trucs, là, je voudrais bien savoir. Il y a une biscotte ce soir. Aux côtés de ses amis, la douleur de Lino est moins vive. Alors il les voit, tant et plus. Il s'en nourrit. Il les nourrit aussi. Pour se souvenir qu'il est vivant, Lino mange avec les siens. Je me rappelle d'un petit salé aux lentilles, une fois, et d'un cuisseau de sanglier, une autre fois. Mon vieux, tu croirais qu'il va te tuer, Lino, quand il mange. Tu croirais qu'il va te tuer, t'oses plus parler. T'entends les mâchoires qui font clac, 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 clac. Tu dis, merde, si je m'approche, il va me buter. Ah, tu ne dois pas savoir ce que c'est. Il est champion du monde, lui. Il y avait un temps où je tournais à Paris en été avec Jean Gabin. Et un soir, on était en train de dîner tous les deux, et qui est-ce qu'on voit arriver? Monsieur Blier, qui nous voit, et on s'assoit tous les trois à la même table, et on commence à manger. Et à la fin du repas, et Dieu sait si c'était un repas, celui-ci dit, je viens de découvrir une adresse fabuleuse. Ah bon? Fait le vieux. Et c'est quoi? Il dit, l'autre il avait les larmes aux yeux en parlant, il était comme ça, il n'en pouvait plus, il y a un pot-au-feu, etc. Attends! Non, il nous a sauvé la vie. Voilà. Ils se sont levés de table et il a dit, Jean a dit, on y va. J'ai dit, ça c'est pas possible, les gars. Demain on va mourir, on va éclater. Je leur ai sauvé la vie. Lino, le bon copain, va pouvoir célébrer l'amitié masculine dans un film grâce à sa rencontre avec le cinéaste Claude Lelouch. Ventura a 52 ans et presque 20 ans de carrière lorsque Lelouch lui propose un projet de film, L'aventure, c'est l'aventure. Le scénario est un peu vague, mais peu importe. L'enthousiasme du réalisateur est contagieux et Lino a envie de s'amuser. Un cinéma jeune, libre, joyeux, qui va pousser Ventura à se montrer tel qu'on ne l'avait jamais vu. Et pour tout se passe très bien. Alors vous allez tous très gentils, vous allez chanter avec moi la Marseillaise à trois. Allez, un, deux, trois, allons-y. Chantez, allez, chantez. Paris, c'est le portrait de cinq salopards, mais cinq salopards profondément sympathiques, comme tous les salopards d'ailleurs, et les salopards sympathiques étant les plus dangereux. Il m'a rien donné à lire du tout, il m'a raconté, ce qui est très différent. Il raconte bien alors? Ah, fiche-toi, oui. Au point de vous convaincre? Ah oui, bah la preuve, parce que je suis là. Nous avons déclaré très haut que tout homme libre ne devrait avoir ni travail, ni famille, ni patrie.
L'aventure, c'est l'aventure est un film déjanté et foutraque. Un film ancré dans son époque. Nous sommes en 1972, l'onde de choc de mai 68 n'en finit pas de souffler sur la France et sur son cinéma. Les mœurs se libèrent, les femmes sont dans la rue pour défendre leurs droits. Face aux mutations qui agitent la société française, Lino Ventura est profondément bousculé. Alors ? Le comédien croit aux valeurs familiales, traditionnalistes, et il estime que les années 70 débutent dans le plus grand désordre. Alors Claude Lelouch fera son miel des opinions conservatrices de son comédien. Il le met face à une prostituée qui milite pour le droit des femmes. Je voudrais quand même que tu m'expliques un petit peu, parce que moi j'ai du mal à assimiler tout ça, tu vois. Quoi ? Quoi ? Ça, où est-ce que vous voulez en venir ? Où est-ce que tu veux en venir ? Allez. Écoute, Lino, t'as pas compris que le temps des mecs c'est fini. C'est tout. C'est ça ? Si, c'est pas que ça, c'est tu regardes tout ce qui se passe autour de toi, dans le monde, les choses ont changé. Lelouch connaît Ventura et ses ambivalences. Parce que si tout au long de ses films, Lino s'est battu, a mordu la poussière, a conduit dans le désert et menacé à tire-larigot des personnages de tout poil, il y a une chose qu'il a toujours refusé de faire. Ça ira comme ça ? Ce sont les scènes de lit. Le comédien considère que ça entacherait son image d'époux fidèle. Mais la vie de Lino est plus compliquée que ça. Les tournages sont favorables aux rencontres, et Ventura a beau avoir des principes, il n'en est pas moins homme. Confronté à cette contradiction, très attaché à cette image de droiture qu'il veut donner de lui-même, Lino va passer l'essentiel de sa carrière à trouver des subterfuges pour esquiver le long baiser final. Et il sera même odieux avec Brigitte Bardot sur le tournage de Boulevard du Rhum. La comédienne très libérée est une vraie menace pour la posture de moralité dans laquelle Lino se drape. À l'heure actuelle, nous sommes dans une époque où le génie réside dans la sexualité. Bon, moi, je suis très indisposé. Parce que la plupart croient d'abord croient faire de l'érotisme alors qu'ils ne font que du porno, et d'une. Et deuxièmement, moi, je suis saturé de ce genre de problèmes psychosexualo, je sais pas trop quoi. Tout ce que je peux vous dire, c'est que pour écrire et pour filmer un monsieur et une dame entre deux draps, en train de procéder à ce que vous imaginez, et entre le fait d'écrire, par exemple, et de filmer l'homme tranquille de Monsieur John Ford, il y a une sacrée différence. Lino se pose donc en homme vertueux. Et Claude Lelouch décide de mettre Ventura face à ses contradictions. Le cinéaste va le convaincre de jouer dans une histoire d'amour. Qu'est-ce que c'est une femme ? Comment ça, qu'est-ce que c'est une femme ? Oui. Pour vous, qu'est-ce que c'est une femme ? Pour moi, une femme, c'est... C'est quoi ? C'est un homme qui pleure de temps en temps, voilà. C'est bien ça. C'est de qui ? Ah, mais c'est de moi. 1966. Je crois qu'il faut être fait pour travailler avec Lelouch. D'abord, il faut en avoir envie, puis il faut être fait pour travailler avec lui. C'est-à-dire qu'il faut lui apporter un tas de choses. Il faut... Lelouch, c'est un voleur. Il est là, il vous guette, il vous épie. Et il sait trier tout ce qui est bon, tout ce qui l'intéresse. Mais c'est à vous de vous donner complètement. Vous n'auriez pas préféré que cette connaissance qu'il a de vous l'amène à faire de vous, pour une fois, autre chose qu'un truand ? Ah, je l'attendais, celle-là. Je l'attendais, mais je ne veux pas vous répondre. Vous serez très surpris, je crois. Action ! C'est une période de sa vie où Lino Ventura a des ailes. L'homme a 54 ans, il est heureux, dans la force de l'âge. Alors, le voleur Lelouch, comme Lino l'appelle, en profite. Dans La Bonne Année, Ventura est un cambrioleur qui vit une histoire d'amour avec Françoise Fabian, une intellectuelle émancipée. Mais il se fait arrêter en plein braquage. Et Françoise Fabian, en attendant que Lino ait purgé sa peine, va multiplier les amants pour rester vivante. Claude Lelouch va s'amuser à mettre Ventura, l'homme et le comédien, face à un cas de conscience. Décider de la fin du film. Choisir ou non de pardonner à la femme qu'il aime. Un plan serré de plusieurs minutes
tourné d'une traite. Et Lino Ventura, d'une grande justesse, choisit d'être une fois de plus l'homme qui reste. Lino Ventura est finalement un grand sentimental qui n'aime rien tant qu'être entouré des siens. C'est donc par pure amitié, pour retrouver son grand Jacques, que Lino tourne dans L'Emmerdeur d'Edouard Molinaro en 1973. Lino y campe un tueur, sans cesse empêché de tirer sur sa victime par un Jacques Brel dépressif et envahissant. La complicité entre les deux hommes rend le film à la fois drôle et touchant. Pas sérieux du tout. Un petit accident. Une fois de plus, voilà un dur, un tueur, un truand, une gâchette. Oui, mais cette fois-ci comique. Et vous éprouviez le besoin de sortir de... De quoi? Alors de l'étiquette de dur, de truand. De... Ben, je crois que tout le monde éprouve le besoin de sortir de l'étiquette qu'on lui met sur le dos. Et je crois que de faire un film comique, c'est une chose qui me plaisait, j'avais envie de le faire. Alors ça tombe bien. Ce sera sa dernière vraie comédie. Au milieu des années 70, le comédien est un homme mûr. Le temps passe, l'éventail de rôles qu'il pourrait jouer se resserre. Et dans le même temps, Lino devient de plus en plus difficile dans le choix de ses films. Une exigence impossible à satisfaire. Lino refusera le rôle du français dans Apocalypse Now de Coppola et dans Rencontre du troisième type de Steven Spielberg. Ce qui ne l'empêche pas de déplorer en même temps le manque d'imagination des scénaristes français. Nous ne sommes pas très très riches en auteurs. Ça, Vous en savez quelque chose? Oui, j'en sais quelque chose. Et surtout, si vous voulez, des auteurs qui peuvent écrire, je parle en ce qui me concerne, certains films, si vous voulez, qui ont un peu de souffle, qui ont une autre vue que des films intimistes, comme ça, très cloisonnés, dans des problèmes absolument quasi freudiens, bon, qui, moi, personnellement, ne m'intéresse pas. Je veux dire, peut-être que ça peut intéresser une autre foule de gens. Mais je pense également qu'on a subi, si vous voulez, une espèce de terrorisme intellectuel qui, tout ça, a donné un snobisme et qui n'a pas bien servi le cinéma. Lino Ventura est un acteur difficile pour lui-même, exigeant de qualité, un vrai professionnel, adoré du public et des metteurs en scène. Avec son physique de baroudeur et son cœur tendre, avec sa générosité discrète, comment ne pas aimer Lino Ventura? Il nous le rend bien d'ailleurs en choisissant ses rôles. Monsieur Ventura ne tourne pas n'importe quoi. Certains comédiens tournent 3 films par an. Lino Ventura n'a pas tourné depuis 2 ans. À l'issue de ces 2 années, Lino va aller là où on ne l'attendait pas. En 1978, il retourne sur un plateau de tournage pour jouer dans Un papillon sur l'épaule de Jacques Deray. Jusqu'à maintenant, j'avançais les mains pleines de mitraillettes. Pour la première fois, j'avance les mains nues, dira Lino. Il joue un homme ordinaire, pris au piège d'une obscure machination. Un virage est pris. C'est bien plus un film de climat qu'un film d'action. Le jeu de Lino y est particulièrement intériorisé. Le coup est extrêmement violent. La douleur disparaîtra peu à peu. Vous aurez peut-être encore quelques visions. Traqué, manipulé ou en colère, Lino Ventura joue des solitaires. Il incarne des personnages en lutte dans un monde hostile, très près de ce qu'il ressent lui-même. On vit dans un monde où les gens ont peur de dire ce qu'ils pensent, peur de ne pas être des intellectuels, peur de ne pas être dans le coup, peur de ne pas être dans le vent, peur de perdre leur place, peur de tout, je veux dire. Et effectivement, c'est un faux, j'ai l'impression qu'on vit à plat ventre. Vous refusez cette époque? Non. Non, je la trouve... Je la trouve pas très bénéfique, je la trouve pas...
pas très gai. C'est le manque de sincérité dans les choses qui me narrent, surtout. Il a beau s'en défendre, Lino Ventura ne se retrouve pas dans le monde tel qu'il avance à la fin des années 70. Les femmes ne recherchent plus la protection des hommes. Les parents assouplissent l'éducation de leurs enfants. L'autorité et l'ordre sont devenus des valeurs dépassées. Lino n'a plus de repères. Alors, il va s'investir de plus en plus dans l'écriture de ses films pour dessiner un héros incarnation de l'honnêteté, de l'honneur et du devoir. Il lui faut du sur-mesure. Si ça ne va pas, Lino fait les retouches nécessaires pour créer des rôles monolithiques. Il gomme toute aspérité, toute ambivalence. Le comédien choisit d'aller vers ce qui le rassure. Et il se tourne vers les auteurs qui le connaissent par cœur. José Giovanni, Jean-Loup Dabadi, Claude Pinoteau. J'ai besoin de travailler avec des gens que j'aime. J'ai besoin de travailler avec des gens avec lesquels je me sens bien. J'ai besoin de travailler avec des gens avec lesquels j'ai une complicité intérieure. J'ai besoin de travailler avec des gens dont je suis sûr que nous faisons, que nous sommes en train de faire le même film. Voilà. Quand on lui apporte un scénario, on lui raconte une histoire, il est toujours emballé. Et puis après, quand on lui apporte le premier traitement écrit, il commence à faire des réserves. Et moi, cette scène, je ne peux pas la jouer, je ne vois pas. Au dialogue, des fois, j'ai envie de dire ça comme ça. Je dis, moi, j'aimerais bien dire ça comme ça au lieu de dire ça comme ça. Enfin, voilà. Et ensuite, il faut être suffisamment fort et en même temps l'écouter quand même pour essayer de le convaincre de faire des choses qu'il ne fait pas d'habitude. Et ça, c'est intéressant parce qu'à chaque fois, il fait des films plus intéressants que ceux qu'il a fait où il a mis trop son grain de sel, où il a voulu trop faire changer des choses et on aboutit finalement à un produit un peu stérilisé. Au début des années 80, il n'y a plus beaucoup d'espace dans le cinéma français pour Lino Ventura, pour l'incarnation du père sévère, mais bon. Beaucoup d'histoires ne sont plus pour lui. Place aux personnages ambigus, à un cinéma trouble, à des virilités subtiles. Lino devrait se renouveler, mais par orgueil ou par conviction, par lassitude aussi peut-être, il s'y refuse. Impossible pour lui d'adapter son image à l'époque. On traverse une crise comme ça et il y a un manque d'appétit à un moment donné qui se fait. Et il est là, il est évident, on n'y peut rien, c'est comme ça. Mais ce n'est pas que je refuse complètement en disant « Oh ben non, en ce moment, non, j'ai pas envie. » Non, non, au contraire, j'essaie de fureter partout, de dénicher quelque chose, de lire, de regarder. Mais c'est parce que je ne trouve rien. Le face-à-face avec Michel Serrault dans Garde à vue de Claude Miller sera le dernier de ses films à marquer durablement les esprits. Sur des dialogues de Michel Audiard, Ventura est un inspecteur pugnace et intègre, confronté à la perversité de son suspect. J'avais laissé ma voiture sur le port et je suis retourné chez ma sœur, 12 rue des Lorientais. Par la plage ? Par la plage ? Oui, parce que pour retourner à pied du phare à la rue des Lorientais, il faut obligatoirement longer la plage. Bah oui, ça me paraît évident. Et ce qui est moins évident, c'est le corps de Pauline Valera, maître. Celui qui a fait ça est forcément passé par la plage. Il est forcément passé par la plage, comme le coupable du viol de la petite Geneviève Le Bailly, lui est forcément... Mais curé, pourquoi dites-vous celui qui a fait ça? Le coupable, l'assassin? Donnez-lui un nom à ce fantôme. Dites Maître Martineau, notaire, puisque vous en êtes persuadé. Pas tout à fait, Martineau. Pas tout à fait. Peu à peu, Lino Ventura n'apparaît plus à la télévision que pour défendre personnages. Il devient une sorte de héros national, une icône aux yeux des Français. Ses vieux amis, Brel, Gabin, Brassens, sont morts. Lino s'essouffle. L'appétit n'y est plus. Il tourne son dernier film en 1984, avec à nouveau Claude Pinoteau, La septième cible. Quelques mois avant sa mort, en 1987, Lino Ventura, qui avait si souvent pris ses distances avec le cinéma d'auteur, accorde une dernière interview à l'émission la plus sophistiquée de la télévision. Cinéma Cinéma. Je suis un peu perdu. J'ai l'impression d'être un fossile par rapport à certains jeunes metteurs en scène, à certaines jeunes équipes que je ne connais pas.
Mais peut-être que moi, je ne les intéresse pas du tout. Je veux dire, je suis peut-être un matériau qui est inutilisable pour eux, je ne sais pas. Moi, je ne les connais pas. Vous ne pensez pas plutôt qu'ils ont un peu peur d'aller vers vous que... Non, c'est faux, parce que je reçois beaucoup de choses de jeunes. Mais peur, quand vous employez toujours ce mot de peur, c'est étrange, ça. On dirait que je me balade avec un poignard entre les dents et des grenades dans les mains. C'est extraordinaire, ça. Mais je vous fais peur, vous ? Non. Ben alors, je sais pas. C'est moi, vous m'impressionnez un peu. Ah bon ? Qu'est-ce que je veux faire ? Je sais pas, ça me fait... Vraiment, ça me fait... Enfin, bon.